Oui, mon fils, oui, il vient de Miami. Très bien. Il a réussi. C'est ce qui arrive le plus tard. Année de leur mariage et peuvent prétendre célébrer leur noce d'or. Alors, je vous rappelais quand même les articles de vie. Par contre, je demanderai à ceux qui sont autour de ne pas réagir positivement ou négativement par rapport aux articles que je vais lire. Hein. Ah. D'abord, l'article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants. Ils préparent leur avenir. Ça tire un peu fait quand même. Et donc, vous avez donc respecté scrupuleusement ces articles. Monsieur Michel Bachet et Madame Marie Bernard, étant dans la 50e année de votre mariage, je déclare publiquement que vos noces d'or sont célébrées. Ça se fait, vous pouvez ne pas le faire, mais c'est ce qu'on fait fréquemment pour les choses qui m'arrivent avec les enfants. Voilà. Georges Del, Bac, Croix de guerre à Nîmes,
au maire du Vésinet, officier de Jésuite par délégation. Temps.
sachez que, justement, là, je vous dis à vos amis, on va en fêter de ces 50 ans, vous les affaires. Et volontairement aussi, on fait de vous une manière de faire en 11h du matin. C'est l'heure de l'appel. C'est l'heure de l'appel. C'est facile aussi pour rassembler les personnes plus jeunes. Parce que souvent, quand on fait une cérémonie le soir, celui qui a 18-20 ans, il y a des soirées. Donc, c'est intéressant de faire en 11h du matin, c'est de faire la fête. Finalement, il ne fait pas si bon que ça. Il ne fait pas si bon. Donc, profitez-en de vous pisser la vie. Enfin, on sait qu'à ça. Je vais peut-être laisser la bière aussi. Oui, très rapide quand même, pour dire que déjà je suis très content d'être avec ma famille. Effectivement, parce qu'on voit souvent. On sait aussi. Très souvent. Et vous êtes un exemple pour la ville d'Ile et les gens qui habitent. Pour tous les gens qui ne savent pas, c'est pas d'ici, nous avons aussi devant nous un couple très actif, participatif, participatif. Ils vont au Champs-Élysées, ils vont à la ville, ils vont à la ville. Enfin bref, tout ce qu'on peut offrir aujourd'hui, tout ce qui est possible d'imaginage pour les seniors, eh bien, vous y participez. Je crois que ça montre votre vitalité et comment on est fier. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, vous très content de nouveau, que vraiment vous vous sentez bien. Et personnellement, vous êtes en train de vous faire sentir plus que vous vous sentez là. Merci de vous transformer dans 10 ans pour les travailleurs. C'est très bon. Quel eu, rassure. En 2014, oui, 2020, c'est pas grave. C'est un vous, en tout cas, que vous puissiez revenir ici, dans les obstacles, et je pense qu'à l'heure où vous vivez, c'est toutes les choses qui arrivent, vous regarderez l'album de Ménès d'Or, vous venez pour répondre, vous les avez entendus, vous qui nous débattez, vous avez répété, vous avez très important, et puis je crois que vous avez ça, vous avez encore un excellent terme des communes, donc il y a quand même de l'espoir. Et vous êtes un exemple pour les jeunes. Pour sauver cette journée, Très bien. Un petit bijou. Il va lui passer la bague au doigt, dis donc. La bague au doigt. Oh, mais vous levez le fait. Non, là, il faut vous lever pour ça. Il y a tout le monde. Levez-vous. Comme un vrai mariage, mettez au deuxième rôle. Pour les photos, mettez vous. Non. Bisous pour la mariée.